Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est ce matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de Super Mario Galaxy. Donc on a une comète rapide en chemin, qui est donc, on va la faire. Comète rapide en chemin. Les gardiens, à toute vitesse en plus. Ah oui, c'est quand la vitesse est multipliée, ici, ah oui, je me souviens. Par contre, il était un peu bugué le cristal. Je me souviens. C'est plus dur, mais ça reste faisable. Je sais pas s'il y en a beaucoup des comètes rapides. Mais tout à l'heure. L'autre fois, j'avais réussi à faire un truc beau. Voilà, comme ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Merde, c'est pas ça, non? C'est là-bas. Ici. Ah, c'est bon. J'ai réussi. J'aimerais quand même retenter quelque chose que je vais déjà tenter dans le précédent épisode. Ouais, non, c'est faisable, je pense, mais j'ai pas le niveau. Parfait. J'ai eu peur qu'il m'écrase le truc. Là, c'est là que je vais me faire écraser par le tombe. Yes! Parfait. Le record a bien démarré. Oui, j'ai eu peur. Nice. Il reste pas d'étoiles ici. Non, je crois pas. Donc on a défi de la bulle. Bah tiens, on va faire ça. Et après on fera l'île flottante. Ah, elle est un peu chiante cette étoile. Bon, en même temps, tout est chiant. Moi, à chaque fois, je dis que c'est un peu chiant. Mais bon. N'empêche, l'eau, elle me fait penser. Enfin, l'espèce d'eau dégueulasse de boue, là, violette, elle me fait penser à, au pays toxique de Mario Odyssey. Je crois qu'en plus, ici, il y a un exploit pour. Enfin, un exploit. Un truc pour aller directement à l'étoile, si je dis pas de conneries. Est-ce qu'il y a encore panneau d'affichage qui va nous parler? Oui, voilà. Et si tu comptes rentrer dans cette bulle, tu feras bien de m'écouter. Moi, le grand panoda fichage. Tu es dans la bulle, appuie sur A pour le curseur. Oui, bah. Je suis pas con, merci. Alors, est-ce que en secouant la manette. Ouais, non. Je me demandais comment on fait pour casser la bulle, mais on dirait qu'on peut pas. Donc. Coucou. Par contre, je suppose que si je me prends la boue de merde ou des trucs pas beaux, là, je vais crever. Hein. Pop, pop, pop. Enfin, remarque, moi, après, j'ai de la chance parce que moi, c'est plus près. J'ai plus de précision parce que je fais avec la souris. Donc, voilà quoi. Tu viens là, toi. Merci. Non. Là-bas.
C'est quoi là-bas? La pièce là. Là. Oh, c'est juste ça. C'est pas grand-chose, mais bon. C'est mieux que rien, même si les pièces servent pas à grand-chose. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être des monstres. Enfin, quoique non, en plus, je crois que dans les pièces, point d'interrogation, on peut pas mettre de monstres. Ah, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'il y en a pas. Bam. Putain, ils font apparaître l'étoile là-bas, hein. Faut pas la faire apparaître sur nous, hein. C'est trop dur. Nice. Oh. Oui, voilà, c'est ici. Ici, on peut aller direct à l'étoile. Je vais essayer de vous le faire. Mais merde. Mais si j'ai, enfin, même si j'y arrive, je vous ferai. Même si j'y arrive, je vous ferai quand même le truc à la legit. Bon, je suis pas non plus un vilain pas beau. Contrairement à certains. Il y a beaucoup de vilains pas beaux. Je crois que c'est ici en plus qu'il faut sauter. Ouais, voilà. Je me suis foiré par contre. Je veux quand même vous montrer. J'avais vu ça sur une vidéo de YouTube. Donc je vois pas où est-ce que j'aurais pu le voir d'autre. Mais il y a moyen, il y a moyen. Je sais qu'il y a moyen. Allez, dernier. Non. Dernier essai après, j'arrête. Bon, tant pis. Et cherchez sur internet bug défi de la bulle, vous trouverez, je pense. Sérieusement. Wow, faut attendre 30 ans là que le truc qui se mette. Oh putain. Et merde. Bon, du coup, trop tard pour les fragments d'étoiles là-bas. Oh pute! En plus, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu te foires, t'es mort. C'est vachement punitif. Tu te foires une fois, t'es mort. C'est dommage, moi, je trouve. Bon, je vais prendre les fragments. C'est pas possible. Choqué, il se fait écraser par un bout de bois. Découvrons cette personne à la chance extraordinaire. Bonjour. Attendez, autant que je fasse une safe state là. Oui, non, mais. Bon, j'ai réussi, c'est ce qui compte. D'accord. J'entends l'étoile. Elle m'appelle. Avec ses cris. Pardon. J'entends l'étoile. J'entends l'étoile. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Yes! Pem. 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 On est à combien de temps? On est à 9 minutes de record, c'est tout.
Alors, donc ça c'est bon, maintenant on va faire l'île flottante. La forteresse flottante. Let's go. Oh, je m'en souviens, petite galaxie. C'est de là que vient le trailer de New World Plus. C'est cette musique-là de base. Wouah, j'arrive plus à nager comme il faut. Y a pas un canon quelque part ici? Parce que normalement, il y a un truc qui tire des missiles. Wouah, mais j'arrive pas à me contrôler, c'est pas possible. Ah, oui, bah, c'est bien beau de m'y montrer maintenant, hein. Bande de petits cons. Oui, je m'énerve, mais bon. Je cherche le canon pendant des heures et c'est au moment où j'ai plus d'air et que j'arrive plus à contrôler que. Qui me le met, enfin, c'est un peu stupide. Faut que je repère où il est le. Ah, il est trouvé. Je l'ai trouvé. Une étoile verte. Non. C'est pas possible. Je dois retourner là. Compte toi. Voilà. Allez le canon là. Hop, putain la pop-up antivirus. Saloperie. Faut bien sûr que la pop-up antivirus, parce qu'il est pas à jour mon antivirus. Même dans la mise à jour, elle met pas à jour antivirus, elle rend tous les peu de trucs gratuits payants en fait. Donc, j'ai la flemme d'y craquer. Mais viens par là le canon. Enfin le billball. Tu vois, je dis canon au lieu de billball. Non mais c'est pas possible. Putain, c'est chiant. Wow. Là, j'ai la caméra buggée, je peux plus rien faire.
La torpille, elle a tué le bloop. La logique. Bon, allez, moi je veux y arriver là, je veux l'étoile. Je comprends pas, moi si on peut pas passer d'un côté, pourquoi est-ce qu'on peut passer de l'autre? Enfin, à travers l'eau là, enfin c'est un peu stupide. Pas qu'un peu d'ailleurs en fait. Non, 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 non. J'en ai marre. Putain, mais je comprends pas. Si là, en plongeant, je peux pas passer à travers, pourquoi est-ce que quand on est de l'autre côté, on peut? Enfin, c'est stupide. C'est qui le mec qui a eu cette idée? Putain, j'arrive plus à me contrôler, ça lag. Vous savez quoi, je vais faire un safe state ici parce que là, ça commence sérieusement de me saouler. Bon, je veux bien être gentil à pas tricher et pas utiliser mes safe states, mais là, il y a un moment, faut arrêter, hein. Pas pousser mémé, hein. Mais c'est pas possible. Enfin! Wow! C'est au moment où je dis je vais utiliser mes safe states, j'en ai pas besoin quoi. Enfin, c'est. Bon bah voilà, on a eu l'étoile enfin. 17 minutes de vidéo. Hein. Ok, parfait. J'ai obtenu une étoile cachée. Nouveau record. Fragment d'étoile. Tu as ramassé une super étoile verte. Les super étoiles vertes possèdent des pouvoirs particuliers. Pour en savoir plus, demande au Luma Vert. Bah, le Luma Vert, pas besoin pour le moment. Hein. En tout, il y a 3 étoiles vertes. Donc, on ira les voir quand on aura les 3. D'ailleurs, je sais où sont les 2 autres. Mais je vous le dirai pas. Sinon, c'est du spoil. Enfin, remarque, je viens de vous dire qu'il y en avait 3, donc c'est un peu du spoil aussi, mais bon. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Bon allez, cette fois, faut pas que je me foire. Normalement, ça peut être cassé, non?
Voilà. Faut que je remonte vite avant de crever. Vite, 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 vite. Oui. Wow. Cette galaxie. D'accord, y a rien ici. Que dalle. Que dalle, y a. Que dalle. Alors ça, par contre, c'est bâtard parce que ça nous fait sortir carrément de la tour. Après, on doit tout refaire. Et ça, c'est chiant. Quand t'as des jets comme ça au début, ça va. Mais quand on a tout au bout de la tour, ça, par contre, c'est méchant. Attention. Voilà. C'est méchant. D'accord. Parce qu'après, tu te retapes tout, quoi. Ils auraient pu au moins que ça nous redescende dans la tour au lieu de nous tout faire. De tout nous faire détruire, mais bon. Pas grave. Mais pourquoi on peut jamais faire de wall jump? C'est méchant. On est obligé de faire le jeu normalement. Ils sont saoulants. Oh, il est mignon. Merci. Mignon ou pas. Non, j'ai pas fait un safety en plus. Mais si, 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 j'en avais fait un. Heureusement d'ailleurs, j'aurais pas aimé tout me retaper moi. Voilà, ça par exemple, oui, c'est moche, hein. Et bah, c'est ce qui m'arrive. Ça, c'était chaud. Ça me dit pas où est le dernier fragment. Il est où? Où est-ce qu'il peut être? Dites-le moi. Mais où est-il là, putain? Mais où est-ce qu'ils l'ont planqué encore? Nintendo. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait au pauvre petit joueur sans défense que je suis? Merde, non, je voulais faire comme ça. Il est où, sérieux? Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Non, non. Tu sais, si là il y a un bug et il a pas spawné. Ce serait tellement mais méchant mais. Encore même méchant, c'est gentil, hein. Bon, la vie n'est pas toujours gentille.
Surtout dans ce jeu. Mais où est-ce qu'il est? Ah, là-bas. Je le vois. Non mais sérieux, là où ils l'ont foutu. Wow, ils sont chauds. Allez, le trompe. Non mais. J'ai cru que le jeu allait planter, moi. Ok, 25 minutes hein, quand même. Hein. 25 minutes pour ça. Hein. Ok. Enfin. Ça fait une vis, alors pourquoi est-ce qu'on peut pas tournoyer dessus? Ah d'accord. Ah. Donne-moi tous ces fragments d'étoiles, donne-les-moi. Voilà. Allez, vite l'étoile, j'en peux plus. J'en peux plus, cette galaxie. Enfin, bon. Désolé pour cet épisode qui est potentiellement un peu plus ennuyeux que les autres, vu comment j'ai galéré. Ah, horrible, horrible ce truc. Donc ça, c'est fait. Maintenant, Galaxy Fantôme. Donc normalement, il y a trois étoiles là-dedans, à part si elle est comète farceuse, bien sûr. Et quand ce sera bon, on pourra aller battre Bowser. Enfin Bowser. Enfin Bossware, pardon. Luigi! Non, mon ami, reviens. Qu'avez-vous fait à mon frère? Pauvre, lui qui est si fragile. Oui, je suis un enculé. On peut le dire. Mais dans ce niveau, il y a un nouveau power-up. Oui, viens là, le bouvien. Viens. Et meurs. Allez, viens, 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 viens. Et meurs. Même chose, tu prends la clé, ça ouvre. Hein. T'as même pas besoin d'aller la mettre dans la serrure. Hein. Pour une fois qu'il y a une serrure, d'ailleurs. Ok, merde.
Ok, et où sont les autres? C'est bien beau, mais s'il m'en manque. Non, mais. Ouais, bon. Mon dernier save state, il date d'ici. Bon, allez, cette fois, faut pas que je crève. Vas-y. Allez, Mario, ne crève pas cette fois. Merci. Attends, mais je rêve où là les Goombas ils font caca du feu bleu là. Enfin, je sais pas, regarde, ils font. Et ils font du feu bleu. Bon, les Goombas chient du feu bleu quand ils ont une citrouille sur la tête. Voilà, je note. Ça peut toujours servir, hein, écoutez. Mais. Ah! Ils mettent en plus l'étoile juste à côté d'un trou noir. Donc si tu te foires, bah tu meurs. Luigi. Il est là en plus, non? Il est juste ici, oui. Luigi, mon frère, que je déteste, que j'aime tant. Alors ici, pour ceux qui se demandent, faut faire pas comme ça. Il faut sauter et se rattraper, en fait. Comme ça. C'était très chaud. Alors, et la machine, la machine. Mario fantôme. Faut faire gaffe à la lumière, par contre. Donne-moi cette pièce. Wow. Je me prends tous les murs, moi. Ah oui, en plus, il y a un temps pour l'attraper. Donne-moi ça. Merci. Même si les vies me servent pas à grand chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois, la personne qui vient kidnapper Luigi, eh ben, c'est un fantôme. En plus, il a horreur des fantômes, quoi. Enfin, pourquoi des fantômes? Pourquoi tout le temps des fantômes? Là, faut aller dans la lumière. Sinon, parce que si on va voir Luigi en tant que fantôme, il dit ah, un fantôme. Donc, voilà. Il ne reconnaît pas. C'est l'enfant, j'ai désespéré des Toads, c'était terrible. Mais mec, avec la super étoile, quand tu la prends, ça te ramène à l'observatoire. Alors pourquoi est-ce que tu l'as pas pris comme Mario le fait pour aller à l'observatoire? Comme ça, t'aurais survécu, quoi. Enfin, tu serais pas ici. Parce que là, on a beau être enfermé, et juste hop, et puis c'est bon, on rentre. Hein. Y a pas besoin de. Mario, c'est pas un téléporteur. Hein. À 34 minutes. Eh bien, on va s'arrêter là. Voilà. D'ailleurs, n'empêche, on a 35 étoiles. Et là, comme par hasard, dans 3 secondes, bam, on est à 35 minutes de vidéo. C'est bizarre. Bref. Je sais que ton frère, oui, voilà, et voilà, mon frère. Évidemment qu'il nous aidera, il n'est pas là pour rien. Faut
faut l'exploiter un petit peu. Est-ce qu'il y a des comètes farceuses? On va regarder là vu qu'il y a la carte. Même pas. Alors Luigi. Donc en fait régulièrement Luigi va disparaître, il va nous envoyer une lettre et on va devoir il va pour une des super étoiles en fait. Tu as des super étoiles, pas vrai? Tu peux compter sur mon aide. Je pense que certaines nous ont échappé dans la galaxie des planètes des œufs par exemple. Si j'en trouve une, je te enverrai une lettre. Voilà. Là tu vas faire une galaxie, tu vas voir le Todd Mail et il dit il a disparu, tu vois. Enfin qu'il t'a envoyé une lettre. D'ailleurs, est-ce qu'il a des trucs à nous dire, lui? Je suis facteur. Ah bon? Ouais, bah pas de courrier. Merci. Bon, et bah nous, on va s'arrêter là. Je vais quand même aller au dôme là-haut. Avant de d'éteindre la vidéo. Voilà. Et donc la prochaine fois on fera la deuxième étoile de la galaxie fantôme. Donc merci d'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao.